Latitude 91 sur 95.4 FM everyone.com. Tous les lundis 18-20h. Alors, c'est Fervesson, on parle c'est bien des Fervesson, la radio, web radio locale, donc vous êtes toujours dans le coin. Bah, qui effectivement traite de tout ce qu'il y a sur le département. Donc vous êtes où maintenant? Alors, on a pour l'instant des locaux qui sont mis à disposition par une salle de sport, hein, donc Haroun, tu pourras venir nous voir, donc ouais. Profiter. Donc oui, il y a une salle qui est mise à disposition par une salle de sport. En attendant de que nos chères collectivités territoriales nous donnent enfin un local. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Fervesson? Ben justement, c'est ça, c'est qu'on était, on avait un local qui était mis à disposition par une association. L'association n'ayant plus de local, ben forcément, on s'est retrouvé comme ça à la rue. Ben c'est bien, c'est que mais on pouvait séquence... toujours les écouter, non? On pouvait toujours écouter Fervesson, non? C'est bien, c'est que non, pas du tout. Pas du tout. C'est une question. Hein. Donc non. Mais c'est pour ça que ta rubrique qui s'appelle Dans ta rue, ben c'était un peu ça. On était un peu à la rue. Quoi. Dans le Picasso. Ça peut te faire plaisir, Mario. T'avais combien? 5-6 ans, et enfin, elle est cohérente, le nom enfin, de la rubrique. Enfin, voilà, Lucas. Grâce à nous, quand même. Merci Lucas, enfin, elle devient cohérente, cette rubrique. Faut qu'on reçoive des gens qui sont dans la rue, en fait. Bah oui, des SDF, en fait. Vous avez été SDF, en fait. Alors, ça a été comment, votre période, les cartons, ça a été? Mais en fait, justement, bah, avant, ça s'est bien passé, hein. Donc là, pendant 3 mois, on a eu une coupure, et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, bah, cette semaine, puisque on, forcément, comme on reprend, vendredi, bah, de cette semaine, hein, de 18 à 20h, ben on s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient venues sur le site internet, plus de 1000 par mois, alors qu'on n'était plus actif. Bah fallait rester actif. Bah malheureusement. Si on aurait eu un local, on aurait resté actif. Hein. Ouais. On a eu quelques émissions, on a fait quelques émissions éphémères. Hein. On a fait notamment pour les municipales. On était là, donc voilà. Et puis bah maintenant, ça y est, on reprend notre grille des programmes. Ou d'ailleurs, dans la grille des programmes, on rediffuse l'Attitude 91. Aina. Qu'est-ce que tu fais dans la radio? Elle sourit. La potiche. Tu fais la potiche. Quel est ton rôle dans cette radio? Bah, je suis co-animatrice avec Mickaël. Et tu animes quoi? Nous animons... De tout. Tout. Elle fait avec moi effectivement toutes les émissions, donc il faut lui reconnaître. Hein, alors c'est quoi qu'elle... les émissions qu'on retrouve la rentrée là? Et ben donc ben la grille des programmes traditionnels, donc on a Qui les tours, qui est le magazine d'actualité, qui est en fait votre sourcing. Donc ensuite on là a. Là où vous prenez tous nos invités. Attends, excuse-moi, elle entend mal. Là où vous prenez tous nos invités. Ah, nous on prend nos invités. Oui. C'est pour ça qu'on vous a invités pour. Ah bon, comme ça c'est réglé quoi. On a Big Deal, donc qui est l'émission des bons plans en Essonne. Ouais, bah avec c'est ouais, d'accord. Ouais, Big Deal, Big Deal. C'était quelqu'un d'avéreux. Non, c'est pas avec Vincent Lagaffe. Non, c'est pas les grands deals qui étaient anciennement diffusés. Donc là on a justement Revival, une émission qui remonte le temps, donc on fait le top 10 des années d'avant. On a une émission politique. Attends, les années d'avant, tu recules à combien d'années? On était là, on est en 1996 cette semaine. Lucas, vous faites un top 10 donc des années précédentes. J'espère que vous mettez quand même bien Goldman en avant. Hein, c'est en fonction des classements. On a donc l'émission politique 91 degrés. On a deux nouvelles émissions, une émission santé qui sera traitée par Bénédicte, et puis une émission de l'actualité solidaire du département animée par Rémi Lavenant, le jeune de 15 ans qu'on a bien. Ah, vous avez recruté le petit Rémi. Et c'est quoi les actus solidaires? Les actus solidaires, bah alors l'émission elle sera traitée intégralement par lui, donc déjà nous on l'accueille, c'est déjà pas mal. Mais apparemment ils vont recevoir le premier invité, ça doit être la Maison Valentine, qui est spécialisée sur le handicap. Et c'est en alternance avec l'émission. Ça sera en alternance avec l'émission santé. Et vous l'évoquiez tout à l'heure rapidement en disant que notre émission était rediffusée dans le cadre d'Evritiou. D'Evritiou, un petit jeu de mots. Qui est-ce qui nous a donné le jeu de mots d'ailleurs? C'est Mario. Il y aura rediffusé la titre 91, l'album découverte. Ouais. Et c'est tout pour l'instant. Bah, c'est déjà pas mal. En fait, oui, le principe. L'album découverte d'Evritiou. Voilà. Voilà. Le principe, c'est justement, hein, c'est qu'on s'est dit, on veut parler de ce qui se fait en Essonne. Et notre prétention n'est pas de faire très bien ce qui existe ailleurs.
Ça, on l'a toujours dit. Mmh. Donc, c'est pour ça qu'on rediffuse Latitude 91. On a eu la demande. Et puis aussi, bah là, dans les nouveaux trucs, on accueille une émission qui est animée sur 91 FM. Hein, Madeline pour l'antenne, et puis on, une, aussi dans la grille des programmes, on aura une émission qui traite des ovnis. Je ne consomme pas du tout. Nous, on a un extraterrestre ici, si tu veux, tu peux l'interviewer. On l'a pas présenté. Mais qui bah, c'est la... C'est Anthony. C'est la plante, c'est la plante verte. Anthony, qui es-tu, Anthony? Qu'est-ce que tu fais dans le studio déjà, toi? Moi, je suis venu pour Effervescent, je suis un peu le Haroun d'Effervescent. Ah, t'as raison, mais là, t'es silencieux pour un Haroun. Pourtant, t'es blanc. Alors, si je peux vous donner un conseil, parfois, c'est mieux quand il est silencieux. Il a des petits défis, il a des petits défis. Ah, vas-y, fais-moi un petit défi, t'as un petit défi, là, pour nous donner envie d'écouter Effervescent. Oui, mais disons que les défis d'Anthony, donc c'est déjà, c'est filmé, et il faut éventuellement, tu sais, il fait du coca-mentos, il fait la cannelle. Bah là, il avait un défi assez dur, c'est de participer à la Latitude 91, et c'est pas facile tous les jours. Hein. Ouais, mais il a pris des choses avant, donc ça va. Ça va. Donc, c'est parti à partir de la semaine prochaine. Vendredi. À 20h. Et c'est l'émission, justement, l'émission qui reprend, bah, c'est l'émission de nous trois. Hein, C'est Peps. L'émission de Libre Antenne. Et en tout cas, nous, on est très, très contents que votre émission reprenne. Votre programmation. La radio. Et d'autant plus qu'on avait, que Michael est venu de temps en temps faire les chroniques avec nous. Et hein, il a invité, donc, il a assuré pendant les municipales. Ouais, on est très, très contents. Nous aussi, on est contents, en fait. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle. Mais tout le monde est content, là. Non, mais j'ai une très bonne nouvelle, c'est que la Latitude 91 rediffusée sur Effervescent sera amputée de la pensée de Patrick. Vous pourrez écouter l'émission de manière agréable et fluide. C'est que ça serait très drôle, c'est que, puisque justement, vous êtes venus chez nous, vous nous avez pourri l'émission 3 mois. Donc, là, tu vas pas te venger, c'est hors de question. On a voulu le faire, mais on arrive en retard. De toute façon, ici, je peux couper le micro. Vous venez chez nous, voilà, et ce qui serait très drôle, on s'est dit, c'est que un jour on vous laisse animer une de nos émissions, et c'est Mario là qui est voilà le défi de Mario, ça serait de animer une de nos émissions, et puis vice versa. Mario, tu prépares les sodas renversés sur les régies et tout, hein, parce que on a réussi à s'en débarrasser une fois, mais ils reviennent. Non, mais pourtant, je crois que c'était bien fait le boulot là. Oui, bah mince, merde, des fois qu'on réactive ça. Dis-moi, Web Radio, c'est quoi? Alors, web radio, donc déjà. Pour expliquer un web radio pour les nuls, hein. Alors, donc web, hein. Web, c'est internet. Ah, donc, c'est 2.0. Radio, c'est une radio. Ce soir, c'est 2.0. Aïna, tu t'entends super mal. C'est fil rouge. Tu as appris un mot depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de dire 2.0 parce qu'on t'a expliqué. C'est fil rouge. Mais je rentre chez moi et je veux dire à tout le monde. C'est fil rouge de l'émission. Il a mis le casque en 2.0. Non, mais juste avant en 2.0. Non, mais une chose, parce qu'on n'arrête pas de parler de 2.0. Faut pas se tromper. Le web 2.0, c'est les réseaux sociaux. C'est le côté, c'est les Facebook, les Twitter, web radio, que maintenant, mais web radio, ce serait hélas encore web 1.0. Ouais. Hein. Mais là, il y a Patrick 0.5. Donc web radio, c'est le principe, mais on est aussi en 2.0 puisqu'on est aussi, nos émissions sont en direct, donc les gens peuvent interagir à tout moment via les réseaux sociaux, et nouveau, on sera également joignable sur Skype pendant les émissions. Et vous avez reçu, ça c'est important de le dire, invités prestigieux comme Jérôme Gage. Dans les émissions politiques, on a reçu effectivement tous les. Et puis, on a reçu tous ces invités aussi, donc voilà. Oui. Dans l'émission, on a reçu Robin qui est. Si vous voulez, au revoir. Non, parce que je voulais que vous disiez les noms, et comme ça, ce serait les prochains invités. Voilà, donc si les gens veulent le découvrir, www.effervescent.net et réseaux sociaux, bien sûr. Everyone, avec SN Info, vous présente Latitude 91. Latitude 91 vous invite tous les lundis de 18 à 20h. Association, citoyens engagés, vous êtes acteurs de la ville, Latitude 91 vous invite. 95.4 FM, everyone.com.